on invite les gens, les nouveaux arrivants, à venir nous voir ce soir. C'est une rencontre qui est très spéciale pour nous, parce qu'autant pour le conseil, mes conseillers sont avec moi, les directeurs généraux, les gens de la ville. On crée un premier lien avec ces gens-là. On va les expliquer c'est quoi notre ville, on va prendre contact avec eux, on va leur fournir de l'information sur qu'est-ce qui s'en vient, la politique familiale entre autres et un paquet de choses. Mais je pense que c'est important d'avoir un bon contact avec eux puis lui souhaiter la bienvenue, bien entendu. Bien, pendant l'événement, là, on a plusieurs intervenants. Là. Écoute, José Rivet, qui est notre directrice des loisirs et sports communautaires, va être capable de lui expliquer c'est quoi, comment se référait Sainte-Marie, c'est quoi les activités qu'on offre pour les familles. Après ça, on va avoir des jeux, de l'animation qui va se faire toute la soirée. Non, on essaie d'organiser ça, que ça soit chaleureux. Quand tu arrives dans une nouvelle ville et que tu es capable d'avoir un contact avec l'organisation, savoir c'est qui les gens référencent, c'est quoi qui se passe dans la ville, parce que ce soir, on va lui expliquer un petit peu l'éventail de produits qu'on offre, que ce soit sportif, culturel, et puis ça va lui permettre de pouvoir nous rejoindre plus facilement, puis créer un lien de confiance aussi avec ces gens-là. Aidez-nous à améliorer notre ville. On va être ouvert, on est prêt à vous accueillir. Si vous avez des commentaires constructifs, si vous avez des idées, on est ouvert. Écoute, on a une belle ville qui est en mouvement, mais écoute, toutes les idées sont bonnes. Probablement que des gens qui étaient à l'extérieur, ils ont peut-être vécu, ont peut-être vu des choses qui étaient bien. Écoute, on est ouvert. S'ils peuvent nous apporter des nouveautés, on va être prêt à les accepter. Ville-Sainte-Marie, là, c'est une belle ville. C'est une ville qui a tous les services. C'est une ville qui est dynamique. C'est un... des gens d'affaires. Écoute, on fait des levées de fonds. C'est dynamique, c'est plaisant. Je pense qu'à Sainte-Marie, tu peux avoir à peu près qu'est-ce que tu as besoin. Des organismes, surtout, on a beaucoup de bénévoles. Tantôt, j'ai oublié. Nos bénévoles, c'est important. On a beaucoup d'organismes qui font du bénévolat. C'est ça qui est le cœur de notre ville, parce que si on n'avait pas autant d'aide de nos bénévoles, bien, ce soir, une soirée comme ce soir, avec des organismes qui participent, ça serait plus difficile. J'espère qu'ils vont se plaire à Sainte-Marie. J'espère qu'ils vont nous apporter autre chose aussi. C'est très important parce qu'il y en a qui viennent de l'extérieur, ils ont une culture différente. On va avoir une partie à faire, nous autres aussi, à s'accoutumer à eux. Mais j'espère qu'ils vont adorer leur séjour et qu'ils vont demeurer à Sainte-Marie plus longtemps.